On va essayer de... On prévoit une question intelligente ou deux pour la suite ou pas? Ça, ça va être difficile. Ne nous demande pas l'impossible non plus. Allez, on te laisse démarrer, là. On y va? Bon. Alors, la résidence Studio 8 à Fontainebleau sur le petit fond violet, c'est notre petit code couleur puisqu'on lance trois nouvelles marques. Studly, Sweetly et Serenly. Studly étant la marque de la résidence étudiante. Donc, dès lors que vous verrez un fond violet, eh bien, ce sera un loueur meublé non professionnel en résidence de service, en résidence étudiante, avec un permis étudiant qui vous permettra donc de faire du sans-y-bouvard. La marque LP Promotion, ça a l'air de vouloir changer de page. LP Promotion, vous connaissez la solidité du groupe. Quelques mots, parce que c'est toujours bien d'en refaire une petite explication. Une entreprise qui a une trentaine d'années d'antériorité. En fait, LP, c'est pour Lucien Ponceau, qui lui est architecte et commence dans les années 80. D'ailleurs, la première résidence qu'il ait faite, c'était une résidence de service, le Mermoz, qu'on exploite toujours et qui est sortie de terre en 87. L'entreprise aujourd'hui, c'est un siège à Toulouse, une agence à Paris et à Bordeaux. C'est 1600 logements actés en 2019. Ça nous positionne en top 13 France et premier sur les régions toulousaines et bordelaises. 47 millions d'euros de capital social, ça veut dire qu'on est une société qui est un peu grosse. Cotation 3 en Banque de France, ça veut dire qu'on a une bonne capacité à rembourser nos emprunts. C'est une échelle qui fait 3++, 3++3, 4++4, 5, 6, 7, 8, 9. À 3++, vous êtes Airbus. À 9, vous avez déposé le bilan. Donc, ça veut dire qu'on a une bonne capacité à rembourser nos emprunts. Ou pour le dire différemment, ça veut dire que si demain on arrête de vendre un appartement, il va nous falloir 2-3 ans pour faire faillite. Ou pour le dire encore différemment, quoi qu'il arrive, n'importe quel appartement que vous vendiez aujourd'hui chez LP Promotion, vous êtes certain d'en voir le bout. Une entreprise avec une volonté d'un développement sur tout ce qui touche à la responsabilité sociétale des entreprises, le RSE, puisqu'on est labellisé ISO 26000. Donc une croissance qui est régulière et maîtrisée depuis de nombreuses années, puisqu'on n'a jamais eu vraiment la volonté de doubler un chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. En revanche, on a la volonté d'augmenter notre production tous les ans. Notre objectif à 3 ans, c'est de faire environ 3000 logements, 1000 lots à Paris, 1000 lots à Toulouse, 1000 lots à Bordeaux, et puis pour partie en meublé et pour partie en Pinel. Voilà pour les fondamentaux du groupe. Si vous voulez vous donner très envie de ne pas vendre de loueurs meublés non professionnels, je vous encourage à taper LMNP avis sur Google et vous en ressortirez tout un tas de choses qui vous soigneront à jamais d'en faire. Globalement, quand on relit les informations qui en ressort, c'est on a peur de deux choses. Un, on me renégocie mon bail à la baisse. Deux, l'exploitant est parti. Alors à quoi c'est dû? C'est dû souvent à des histoires réelles, hein, de sociétés d'exploitation qui montaient une petite société d'exploitation par résidence exploitée, de manière que si la résidence ne fonctionne pas, on puisse la clôturer et s'en aller. Le schéma que nous avons choisi chez LP Promotion est le suivant. Le groupe qui est en bas, c'est le socle. Le groupe pèse 47 millions d'euros de capital social, je vous l'ai dit, une cotation 3 en Banque de France, 1600 actes en 2019, donc on sait dire qu'on est gros, qu'on est solide, qu'on a des sous. LP est actionnaire à 100% de sa filiale Privilège. Privilège, c'est donc la société d'exploitation, ou pour le dire différemment, c'est le locataire de votre investisseur. Privilège, c'est 1 million d'euros de capital social, 3 000 lits gérés actuellement et 96% de taux d'occupation moyen pour 2019. Alors, comment on obtient un taux d'occupation bâtard de 96%? Tout simplement avec votre étudiant français qui part étudier à Berlin le 1er mars, son remplaçant finlandais qui arrive le 14 avril, on perd 15 jours. Voilà la raison pour laquelle on obtient ce genre de chiffres. Vous noterez qu'il y a des périodes un petit peu compliquées, comme parfois des confinements en 2020, ça est arrivé un petit peu. L'engagement de LP a été c'est simplement ce montage-là qui l'aura permis, de payer 100% des loyers. C'est-à-dire que pendant le confinement, 100% des loyers ont été payés aux investisseurs. Je pense que c'est important à souligner parce que ce n'est pas le cas de tous nos confrères. Là où votre investisseur va être sécurisé, c'est que le privilège va prendre directement le bail
à votre investisseur. Il n'y aura pas de petite société d'exploitation au milieu. De telle sorte que si ça venait à mal se passer, c'est le principe du bail mutualisé, eh bien, vous avez privilège global qui est derrière, et derrière privilège global, il y a tout le groupe LP Promotion. Et c'est cette architecture en ligne directe qui aura sécurisé tous les gros institutionnels avec lesquels on peut travailler, qui travaillent avec un socle de clients. On est très très loin du schéma one shot qui ne peuvent pas se permettre de se planter. Je pense à des entreprises comme la vôtre, hein, qui travaillent avec la confrérie des gendarmes. Je pense à Groupama, je pense à la Banque Postale, entre autres. Donc, je vous ai justifié de par ce montage que l'exploitant ne peut pas partir si ça venait mal se passer. Pour autant, je n'ai pas justifié le fait que le bail puisse ou pas être renégocié à la baisse. Par définition, depuis la loi Hamon, un bail de 9 ans est un bail 3-6-9. C'est pour cette raison qu'on a choisi de basculer sur un bail qui est supérieur strict à 9 ans, donc d'aller sur un bail de 10 ans, sur lequel on renonce à notre faculté de rétractation triennale. Ou pour le dire encore une fois différemment, vous avez un bail ferme de 10 ans. L'investisseur signe donc un bail, il est à son locataire qui est privilège pour les 10 prochaines années. Les petits points qui vont nous différencier, le portage de la TVA, on est en France, donc ça veut dire que vous achetez bien votre logement en TTC, les appels de fonds auront lieu en TTC, et vous récupérez la TVA quand l'administration fiscale voudra bien vous la rembourser. Dans le cadre de LP Promotion, on est en mesure de porter la TVA pour le compte de votre client. On récupérera donc la TVA au fur et à mesure des appels de fonds. Et dès lors, vous n'aurez besoin de faire un financement qu'en hors-taxe. Vous achetez un logement sans, on vous demandera de faire un crédit sur une base à 80. L'assurance de privilège couvre également vos investisseurs par extension, de telle sorte que vous n'avez pas besoin, dans cet investissement-là, de souscrire à une assurance propriétaire non occupant. Voilà pour les bases des fondamentaux. Ce qui fait qu'un LMNP va fonctionner, c'est un emplacement qui correspond à un marché, on va aller le regarder juste après, et l'exploitant. J'ai donc répondu sur la partie de l'exploitant. La résidence se situe en Seine-et-Marne, un très joli département, tant mieux pour lui. C'est le département où vous aurez Disney, qui est un département dans le sud parisien. Mais le département en soi, on s'en fiche un peu, ce qui m'intéresse, c'est Fontainebleau. Fontainebleau, c'est une ville culturelle, c'est une ville où il se passe beaucoup de choses, qui est plutôt haut de gamme. Ça se note aussi sur les revenus moyens par ménage. Il y a des événements comme des festivals, des grands prix, un concours international d'équitation, puisqu'il y a l'école militaire d'équitation qui est sur Fontainebleau. Ils organisent le concours tous les ans. 2000 étudiants actuellement sur des formations haut de gamme. On parle des mines, on parle de l'INSEAD, qui est le troisième meilleur MBA au monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Financial Times. On parle de l'école militaire d'équitation ou de la maison de santé universitaire. C'est une commune où la mairie est assez dynamique. Elle a réussi à attirer dans ses projets l'université Paris-Est-Créteil, de telle sorte qu'à partir de 2021, il y aura 2000 étudiants de plus. Conclusion, à partir de 2021, moi je livrerai en 2022, j'aurai 4000 étudiants à Fontainebleau. Or, je sais que 68% d'âge va quitter le domicile familial pour aller étudier. Donc, je sais que sur 4000 étudiants, j'ai peu ou prou 2700 étudiants qui vont chercher un logement tous les ans, que ce soit en résidence étudiante, au CROUS ou en colocation. J'ai en concurrence 105 lits privés et 118 lits au CROUS. Donc, en admettant que les étudiants préfèrent aller dans ces établissements-là, il reste toujours 2500 étudiants. J'ai 332 places. Ou pour le dire différemment, j'ai une chambre disponible pour 8 étudiants. Si sur 8 étudiants, il y en a un seul qui souhaite aller dans notre résidence, sur la résidence Studio 8, eh bien la résidence sera pleine. Reste à savoir si l'emplacement est suffisamment qualitatif pour attirer un étudiant sur 8 dans la commune. La résidence est ici. J'essaie de revenir. Voilà. La résidence est ici, juste derrière, c'est la même rue, le futur campus de l'université Paris-Est-Créteil. C'est-à-dire que la résidence est là, et là, j'ai 2000 étudiants. Alors, je suis pour vous, mais moi, ça ne bouge plus. Pardon si. Ah, si, ça y est. C'est bon ? C'est bon, ça marche. La résidence, l'université Paris-Est-Créteil. La résidence, 2000 étudiants. Le voisin de l'université Paris-Est-Créteil, c'est la maison de santé universitaire. Elle est ici. À noter, en 4 arrêts de bus, on le verra sur la carte tout à l'heure, l'INSEAD qui est ici, ou l'école militaire d'équitation, et les mines. On vous a mis quelques lycées, pourquoi ? Parce qu'ils sont des lycées qui font de la prépa.
Donc forcément, de l'étudiant en post-bac. Sur l'UPEC, sera des formations de type Sciences Po qui sera dispo. Une prise de vue rapprochée pour mieux s'en rendre compte. Pardon ? Du coup, dans les lycées, tu as aussi quelques BTS, quelques DUT Non, tu as surtout de la prépa. D'accord. Enfin, que j'ai d'informations. Mais en tout cas, une partie, une propension. Les 4000 étudiants que je vous annonce, c'est du 4000 post-bac. On se rend compte clairement ici que on fait partie d'un projet global. La résidence est là, l'UPEC est là. En réalité, c'est quoi ? C'est la mairie qui a réussi à attirer l'UPEC et l'UPEC qui a dit « je veux de quoi loger mes étudiants » et on fait donc partie de ce projet. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on s'est permis de lancer le programme en non purgé parce que ça fait partie d'un projet d'ensemble et si le permis devait être attaqué, c'est carrément tout le campus, toute la construction du campus qui sera attaquée et ça serait évidemment incohérent. C'est une rénovation. Hein. Alors, il y a la partie rénovation est juste derrière, elle est toute petite, elle doit faire une trentaine de lots. Mais le gros du schéma qui est là, qui fait 300 lots environ, c'est la VFA, c'est une VFA. D'accord. Sur la carte, la résidence, juste en face, 2000 étudiants, l'UPEC et la maison de la santé universitaire. Je prends le bus, 1, 2, 3, 4, 5 arrêts, je suis à l'INSEAD qui est là. Je prends le bus dans l'autre sens et j'ai la ligne RER qui m'amènera à Paris en 40 minutes ou à n'importe quelle autre destination parce que c'est pas parce que j'étudie à Fontainebleau que je suis à Paris, bien loin de là, je suis même probablement de Brive ou de je ne sais quelle autre ville secondaire. Donc l'intérêt c'est qu'on a la gare SNCF qui nous permet d'arriver directement, de prendre le bus et d'être en 10 minutes à la maison. Quelle jolie ville, il y a plein d'étudiants dynamiques. Alors, la résidence avec une prise de vue extérieure, à l'intérieur du... Ce qui va faire la résidence, le succès de la résidence étudiante, c'est les attentes des étudiants. Et les étudiants étant des étudiants, ils viennent dans cet endroit-là sans connaître personne, donc il faudra des lieux de sociabilisation, et c'est ça qu'on va essayer de mettre en avant, que ce soit des espaces extérieurs et verts, de cette manière-là, où on voit très clairement que l'objectif, c'est que les étudiants puissent être dehors et déambuler. Gros point mis sur les espaces verts et sur les grosses terrasses, sur les espaces extérieurs, ça nous permet de communiquer sur autre chose que de l'urbain pur et dur, comme c'est souvent le cas à Paris. Les espaces communs auront été fortement travaillés. Il y a 450 mètres carrés d'espaces communs. C'est des lieux où on va venir se rencontrer, où on va venir échanger. Il y a des lieux qui sont faits pour travailler avec des espaces de coworking. Il y a des lieux qui sont faits pour partager avec des espaces de co-living. On y mettra des jeux, c'est toujours important d'y mettre des jeux. Alors on met quelques bornes d'arcade de ce type-là ou encore des... Je reviendrai tout à l'heure sur les espaces communs comme la salle de sport, mais je profite de cette page-là pour parler du responsable de site. Le responsable de site, son métier, c'est d'organiser la vie de la résidence et veiller à ce qu'elle soit correctement entretenue et qu'elle fonctionne bien. Ça, c'est important parce que l'objectif, c'est de sécuriser non pas les étudiants cette fois-ci, mais bien les parents. Encore une fois, la normalité, c'est pas d'habiter dans le 16e arrondissement parisien avec le gamin qui va aller étudier à Dauphine. Non, c'est d'habiter à Tarbes et d'avoir les gamins qui vont aller étudier dans cette résidence, dans la grande ville, on ne connaît pas, on a peur. Et donc, il faut un environnement qui soit sécurisant. Et encore, si c'est un garçon, ce n'est pas grave, il apprendra à se faire à manger et à cuisiner et à laver ses propres caleçons. Mais si c'est une jeune fille, bien, c'est encore plus flippant, on la veut vraiment dans un environnement sécurisé. Je dis ça à bon escient parce que la réalité, c'est que 60 à 80% des occupants de nos résidences, en tout cas c'est le cas chez nous, je ne sais pas si c'est une statistique nationale, sont des jeunes filles, précisément. C'est important à signaler parce qu'on a souvent l'image potentiellement d'une résidence qui peut se dégrader rapidement. Dès qu'on va justifier qu'il y a un environnement sécurisé et beaucoup de nanas, parce que c'est un stéréotype, mais c'est parfois un peu vrai. Hein. Les nanas, c'est propre et organisé, et les garçons, c'est parfois un peu plus désorganisé. Bien, on justifie que la résidence va être bien entretenue. Ceci étant dit, la réalité, c'est aussi que quand on fait l'INSEAD, quand on fait l'école militaire d'équitation ou quand on fait
Sciences Po à l'UPEC, c'est que c'est des études qui sont un peu difficiles. Donc on va surtout travailler le fantasme de l'étudiant qui fait la fiesta jusqu'à pas d'heure du matin. C'est surtout un fantasme parce que sinon, il n'a pas son année et il ne va pas réussir. La laverie, c'est une obligation d'avoir une laverie, c'est pour être dans les 3 services sur 4, mais quelques petits mots dessus. Ce sont des machines qui sont en dépôt, c'est-à-dire qu'elles n'appartiennent pas à la copropriété, elles appartiennent à une entreprise tierce. L'intérêt de ça, c'est qu'on n'a pas à en faire l'entretien. Si la machine est en panne, on appelle l'entreprise, elle vient, elle prend sa machine et elle repart. C'est des machines qui sont connectées avec le détergent qui est déjà à l'intérieur de la machine. Donc on n'a pas besoin d'arriver d'acheter de la lessive. On met son linge dans le tambour, on passe sa carte sans contact, ça fait bip, et la machine va se mettre à tourner toute seule avec la dose qu'il faut de lessive. Pas besoin de rester là, on va dans sa chambre. Quand la machine est terminée, ça envoie un message sur le téléphone de l'étudiant. La laverie est connectée. Une autre prise de vue en bas ici sur les espaces gaming, sur la cafétéria et sur la salle de sport. La salle de sport, je vais en parler un petit peu plus tard. Espace cafétéria et épicerie, où on va pouvoir se poser, discuter, échanger, avec une salle au fond, la salle on-air. Ben, la salle on-air, ça va être la salle de cinéma. C'est l'intérêt d'avoir une résidence de 300 logements, on peut mieux rentabiliser les surfaces planchers, donc avoir forcément un petit peu plus d'équipement, sans pour autant que ça coûte plus cher en charge pour l'investisseur, puisque ce ne sont que des charges fixes. À l'extérieur, une autre salle de partage, un écran de télévision ici au fond. Généralement, on les équipe avec des PlayStation pour des parties de FIFA endiablées. La salle de sport, elle est importante parce que c'est plus facile de faire du sport quand on a la salle de sport à l'intérieur de la résidence que si on l'a à l'autre bout de Paris. Et surtout parce qu'on est face à une génération qui pratique énormément le sport. Donc le fait de leur fournir ça, ben c'est le même sujet que le Wi-Fi par ailleurs, c'est que vous leur faites économiser directement 30 ou 40 euros sur le budget, plus les 20 euros sur le Wi-Fi, et ça vous permet de réellement beaucoup mieux remplir. À noter que tout le matériel des parties communes est de la responsabilité de l'exploitant, c'est lui qui en fera le remplacement quand il aura besoin. À noter également qu'on essaie de se mettre à la page de ce qui est à la mode en ce moment. Et ce qui est à la mode en ce moment, un des sports à la mode, c'est l'escalade. On a mis un petit mur d'escalade, c'est un petit bloc sur la partie gauche que vous voyez ici. Les chambres en elles-mêmes, ça doit être des chambres qui doivent être malines. Malines dans le sens où il faut que ce soit quelque chose qui soit solide, durable dans le temps et efficace. Efficace, ça veut dire quoi ? Ben, avoir des coffres sous le lit, par exemple, pour pouvoir faire du rangement et gagner en efficacité. Ça veut dire dans la cuisine, la crédence que vous voyez là, elle est d'un seul pan et sans joint. Ça, c'est pour pouvoir mieux entretenir la résidence après 10 ans. Les 3D que vous avez sont les 3D réels de ce qu'il y aura dans la résidence. Les espaces extérieurs, on ne va pas bouder notre plaisir d'en avoir. Et des étudiants qui sont heureux avec une petite cafétéria extérieure. Voilà en substance ce qu'on pouvait dire de la résidence. Donc, qu'est-ce qui en fera le succès, en tout cas de notre point de vue ? L'emplacement qui correspond clairement à un marché. Vous êtes face à une université, donc 4000 étudiants, dont 2000 vraiment en face de vous. Donc, j'ai un emplacement qui est bon. J'ai un exploitant qui est fiable avec une architecture en ligne directe au niveau juridique. Vous prenez le bail directement à la société de tête sur la base d'un bail ferme de 10 ans. J'en veux pour preuve, quand tout le monde a baissé les loyers pendant la crise du Covid, eh bien LP a continué à payer 100% des loyers. Sur les attentes des étudiants, des prestations communes avec salle de sport, espace commun, espace coworking, espace co-living, et pour les parents, la notion de sécurité avec le responsable de site qui sera sur place. Les prix sont à 120 000 euros hors taxe panier moyen, en portant la TVA, avec une rentabilité à 3,70% pour une livraison de la première tranche en décembre 2022 et de la deuxième tranche pour la rentrée 2023. Est-ce que vous avez des questions ? Je peux redire pour la livraison ? Première tranche en décembre 2022, deuxième tranche à la rentrée 2023. D'accord, merci.